type. Et but. Ah, chute. Bon, une grosse chute ici, ah ouais, à droite de la route. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez, allez. Comme un gros, comme un champion de France. Allez, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va allez, faire, il va faire vaincre un kill au championnat du monde de Paris. On est attaque de meilleur. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre petite émission hebdomadaire. Alors vraiment c'est hebdomadaire, hein, mais comme vous avez pu le voir, les 15 derniers jours, il n'y a pas eu d'émission. C'était un petit peu compliqué il y a 15 jours, et la semaine dernière, c'est vrai que l'actu est un petit peu moins chaude en ce moment au niveau sportif, même s'il y a quand même quelques infos transferts, choses comme ça. Et il y a également le Tour de France en ce moment avec notre ami jurassien Clément Berthet, qu'on salue et qu'on félicite pour l'instant pour son début Tour de France. Alors l'actu est pas morte, hein, même si je l'ai dit à l'instant, mais il y a quelques infos quand même à vous communiquer ce soir, et notamment une info box, c'est l'objet de notre premier invité ce soir. C'est un jeune combattant qui vient du club de Lons. On a déjà eu quelques combattants, hein, de la team Pantel sur le média, mais ce soir on voulait mettre en avant un jeune boxeur qui vient d'entamer sa carrière professionnelle. Il s'appelle Garik Mstoyan. Alors j'espère que je prononce bien son nom. Il me contredira si jamais je l'ai mal prononcé, en tout cas. Il a disputé donc samedi, enfin le week-end dernier, à Dijon, son troisième combat professionnel à l'occasion de la cinquième édition de la Tiger Fights, pardon, c'est le gala international multibox. Donc il était opposé à Romain Larcher du club de Noisy-le-Grand. Donc il l'a emporté, donc il va revenir avec nous sur son début de carrière et un petit peu sur ses ambitions à venir, parce que c'est vrai qu'il est tout jeune dans la boxe pro, donc j'ai hâte de découvrir, on a hâte de vous le faire découvrir ce soir dans le média. On va lancer le live avec lui, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous le souhaitez, c'est le but du média. Et puis encore merci à Ludo pour son petit commentaire et pour votre fidélité. Et puis c'est la dernière de la saison, donc encore merci pour tout, c'est passé extrêmement vite la saison, donc on va se régaler pour la dernière. Allez, c'est parti. Je salue mon ami Nico. Bonsoir Garik. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation quelques jours après ton combat, hein, à Dijon, comme je le disais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, d'où tu viens, puis un petit peu ta catégorie de poids, pardon, et un petit peu ce que tu fais dans la vie en dehors de la boxe ou pas, si tu as une activité ou pas? Moi, c'est Garik Mstoyan, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'ai 19 ans. Je suis boxeur professionnel au ring athlétique de Lons-le-Saunier. Ça fait depuis janvier, hein, j'ai signé mon contrat en janvier. J'habite à Lons, je suis un Lydonien. Et voilà, je vais essayer de répondre au maximum à tes questions et aux questions des personnes qui peuvent me poser, quoi. Alors, ta catégorie de poids, c'est quoi, là? Moi, je suis en welter. C'est moins de 66-600. Ah ouais, donc c'est assez svelte, c'est assez frêle, quoi. Hein. T'as un petit gabarit, comme on dit. Oui. Oui, je suis à 69 en poids normal, 70, et j'essaye vraiment de maigrir au maximum pour être dans la catégorie la plus basse que je peux. Et je vais même essayer d'être en moins de 63 si possible plus tard dans le futur, mais pour le moment je suis en 66. Tu pourras nous donner des conseils pour perdre un peu de poids, parce que je connais aussi quelques spectateurs qui voudraient un petit peu perdre du poids. C'est vrai que c'est un sport qui est assez contraignant là-dessus. Je vois même pour le judo c'est pareil, il y a toujours la balance, quoi. Vous, c'est tout le temps comme ça, quoi. Ah, nous, c'est tout le temps, oui. C'est le premier adversaire d'un boxeur. Pour moi, c'est déjà le poids. Après, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance au niveau du poids pour ne pas être mal dans les derniers jours. Donc, j'essaie vraiment de me prendre un mois et demi à l'avance. Comme ça, le jour du combat, je suis vraiment au poids et je suis en forme, quoi. Mais c'est dur, hein. C'est vraiment dur. C'est compliqué. Et tu as commencé à quel âge la boxe, du coup, Garik? J'ai commencé à 8-9 ans. Ouais. Et là, ça s'est enchaîné. Alors, j'imagine que tu es passé aussi par la case amateur avec pas mal de galas, non? C'est ça, oui. J'ai commencé à 8-9 ans, donc j'ai fait de la boxe éducative. Ensuite, à 13-14 ans, je suis passé en amateur. Là, oui, j'ai eu un certain nombre de combats en amateur. Ouais. Et là, on a décidé de franchir un pas et de passer en professionnel. D'accord. Alors, je vois à l'instant, il y a notre ami Serge Pantel, ton coach, qui a fait une demande pour
participer en direct. Alors, c'est vrai que j'essaye de garder à chaque fois les invités seulement, mais merci en tout cas, Serge, d'être présent. Et si tu as des petites remarques, n'hésite pas à les balancer en commentaire. Tu disais en début de retransmission que tu as signé ton contrat pro début janvier. À quel moment tu t'es dit, bah, je vais devenir pro, du coup? C'est un rêve. Au début, quand j'ai commencé la boxe, c'était moi, je voulais pas. Je voulais faire du foot au tout début. C'était plus mon père qui voulait que je fasse de la boxe. Donc, jusqu'à mes 11 ans, c'était mon père qui me ramenait et qui venait souvent me voir à la boxe. Et ensuite, par la suite, c'est moi, je suis tombé amoureux de ce sport et je partais par moi-même. J'allais tout le temps à la salle. Après, c'est devenu un rêve par la suite de passer pro et d'essayer d'avoir des titres en pro, quoi. C'est quoi qui t'anime un petit peu dans la boxe? C'est quoi cette flamme que tu as dans la boxe? Voilà, il y a tellement de trucs, mais cette chose-là qui me c'est en fait c'était toi contre toi sur le ring. Il n'y a personne pour t'aider, c'est vraiment toi et ton adversaire. Donc si tu t'es bien entraîné, si tu t'es bien préparé, tu peux gagner, sauf s'il est vraiment très fort. Mais c'est juste ce truc d'être toi tout seul, c'est ça qui me j'aime pas les maintenant j'aime pas les sports en équipe, quoi. J'aime bien compter que sur moi-même et c'est ça vraiment qui me donne envie. Après, il y a la beauté, il y a le respect, il y a tout plein de choses dans ce sport-là qu'on en parlera par la suite, mais c'est vraiment un très très beau sport. Et la bascule pour te dire, bon, maintenant je vais tenter l'aventure pro. Alors, tu l'as expliqué, c'était au mois de janvier, mais entre le vouloir et rentrer dans la cour des grands, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a dit? Bon, bah, c'est ton coach qui t'a dit, bah, maintenant tu peux y aller. C'est quoi le process un peu? Bah en fait, d'abord, bah moi, si j'avais la nationalité française, parce que je l'ai pas, je suis né en Arménie. J'aurais quand même aimé faire une année de plus cette année en senior pour en amateur, hein, amateur senior pour faire les championnats de France. Mais vu que je peux pas les faire, j'ai pas de titre à jouer en France au niveau national, vu que j'ai pas la nationalité, sauf des petites ceintures, mais vraiment c'est pas la ceinture de France, quoi. Donc on a décidé de passer au pro pour voir, parce qu'en pro je peux pas faire la ceinture de France aussi en pro, mais par faire d'autres ceintures. Vu que j'ai la nationalité arménienne, en fait, la ceinture européenne, normalement, je peux la faire. Mais du coup, ce sera du côté de l'Arménie, vu que je suis arménien. Et sauf si la France décide de me donner la nationalité. On suivra ça en tout cas. Alors, il y a un petit commentaire d'Alexandre, hein, qui dit génial de voir un jeune du RAL évoluer depuis tout jeune au club et devenir le boxeur et l'homme qu'il est devenu. Bravo pour le parcours. Il dit, Merci. pour celles et ceux qui ne connaissent pas la boxe et notamment la boxe pro, comment on vit de la boxe en étant professionnel? Et les cachets des combats, il y a des sponsors, comment ça se passe? Moi, je suis curieux de savoir en C'est fait. dur de vivre de la boxe, c'est vraiment compliqué. Il faut essayer de trouver des sponsors parce que t'es pas, faut dire la vérité, t'es pas bien payé en boxe. Hein. C'est un très beau sport, mais surtout pour tes débuts, t'es pas pour ce que tu fais, le travail que tu fais, t'es pas bien payé, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir l'amour du sport et être patient dans la vie. C'est pour ça que j'aime la boxe, justement, c'est être patient. Je suis patient à la boxe et je suis patient à la vie, dans la vie, excuse-moi. Et c'est pour ça que j'aime ce sport. Comme je t'ai dit, on est mal payé à la boxe. Mais si tu peux trouver des sponsors, tout ça, ça peut énormément t'aider. C'est surtout les sponsors qui font vivre un boxeur. D'accord. Et alors, on le disait en introduction de l'interview, donc c'était ton troisième combat pro ce week-end. Il y a eu déjà deux avant, avec deux victoires. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus? Parce que pour l'instant, c'est le parcours parfait, donc c'est quand même incroyable. Sur mon dernier combat? Non, sur les deux précédents. Bah, le premier, j'ai boxé au Luxembourg pour mon premier combat. Vu que j'ai une licence étrangère, j'étais obligé de faire mon premier combat à l'étranger. Donc j'ai fait mon premier au Luxembourg. Bon, j'étais un peu tendu, j'arrivais pas à écouter les conseils, mais j'ai quand même gagné mon combat. C'est mon seul KO, justement. C'est le premier combat que j'ai fait. Et ensuite, mon deuxième, on a été appelé 2 semaines avant le combat pour Montpellier. J'ai accepté, c'était à Montpellier. C'était chez mon adversaire, très bon boxeur, vraiment solide. On avait mis une stratégie en place. J'ai su la respecter du début à la fin. Ça s'est bien passé. Et sur mon dernier combat aussi, c'était un très très bon boxeur, gaucher. C'est vraiment compliqué. Ceux qui font de la boxe savent que un droitier contre un gaucher, c'est vraiment compliqué. Hein. Le fait, juste te coupe 2 secondes, Garrick, mais le fait d'avoir été appelé sur ton deuxième combat un petit peu en dernière minute, est-ce que ça, on va dire, c'est un argument, c'est un atout qui vous permet, pour vous les boxeurs, de faire monter un peu l'enveloppe en disant, bon, bah, vous me prenez un petit peu en dernière minute, va falloir aligner un petit peu? C'est surtout bah, 2 semaines avant le combat,
On peut, mais c'est quand même, je pense que l'organisateur n'acceptera pas. Mais D'accord. à 3 jours du combat, oui, ils vont accepter. Et ça peut être un atout pour. Oui, ça peut être un gros atout même. Du À deux, coup. trois jours du combat, 2 semaines du combat, je pense pas. À mon avis, sauf si vraiment il a plus personne, oui, mais sinon, non. Alors justement, c'est intéressant parce que à Dijon, pour ton troisième combat, bah, ça a été compliqué. Tu as failli pas combattre, hein, parce qu'il y a eu des problèmes pour trouver un adversaire. Finalement, Romain s'est présenté à toi, donc comme tu le dis, gaucher, plus catégorie de poids, plus supérieure que la tienne. Ça change tactiquement, ça a changé pour toi du coup de combattre un adversaire plus gros, plus grand? C'était beaucoup plus compliqué que mon deuxième combat, parce que mon deuxième combat, c'était ma catégorie. On était à 66-67, donc j'étais quand même plus grand que mon adversaire et j'arrivais à garder à la distance. C'était plus compliqué, surtout que c'était un gaucher, c'était même pas un droitier. Mais comme je t'ai dit, en fait, ce que j'aime bien dans la boxe pro aussi, c'est qu'on peut mettre une stratégie en place et si je la respecte bien, ça passe. Alors qu'en boxe amateur, on a 3 fois 3 minutes et encore en boxe pro, 4 fois 3 minutes, c'est quand même court aussi, mais. La boxe amateur, 3 fois 3 minutes, t'as pas le temps, il faut que tu boxes et t'es un robot, quoi. T'avances, 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 alors qu'en boxe pro, t'as plus de temps pour mettre une stratégie, quoi. C'est vrai qu'on le voit souvent aussi avec Bilel Latrèche aussi, hein, qui avait gagné le mois dernier, je crois, en Thaïlande. Et c'est vrai que c'est quand même une autre boxe. Il y a un commentaire de Cam qui dit: Fier de toi, Garrick, un boxeur avec de belles valeurs. Alors justement, tu parlais tout à l'heure des valeurs de la boxe. C'est quoi tes valeurs à toi alors? C'est quoi que tu dégages avec la boxe pour toi? Bah, déjà le respect, que c'est vraiment, même si on se tape dessus, tout ça, tu peux voir dans dans la dernière vidéo de mon combat, il y a eu le respect à la fin, pas que de mon côté, du côté de mon adversaire aussi, que je remercie énormément. C'était vrai, c'est le respect de ce sport qui me plaît, en fait. C'est vraiment, c'est le mot-clé que je pouvais dire, le plus gros mot, c'est le respect. C'est vraiment un sport. Certaines personnes se disent, ouais, il se frappe pas dessus, nanani, nanana. Donc, non, mais c'est vraiment le respect. C'est le mot-clé. Quand tu ouvres une salle de boxe, la première chose qu'on t'apprend, c'est le respect. Si on t'apprend pas ce mot-là, c'est que t'es pas dans la bonne salle. Ouais. Et du coup, sur ce combat, c'est vrai que tu as pris les devants assez rapidement d'entrée de jeu, alors comme l'a écrit Serge dans l'article. Mais tu étais un petit peu blessé en fin de première reprise. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai une tendinite au Ouais. coude. Elle a apparu dans la dernière minute du premier. Bon, je l'ai quand même senti, mais avec l'adrénaline, l'excitation du combat, ça m'a pas fait mal mal. Mais bon, après, à la fin du combat, je l'ai quand même senti. Hein. J'ai fait les 3 derniers rounds avec mal au coude, mais bon, c'est pas grave. J'ai un commentaire qui me fait tilt, alors de HVVSS, peut-être que tu connais, Oui. qui met en commentaire abattre l'ennemi. Et moi, ça me fait penser, alors je suis venu souvent en gala de Lons, j'adore venir voir les combats, alors amateur pour la plupart, et j'entendais souvent dans le public les gens qui disaient: vas-y, défonce-le, tu vas le tuer, ou des commentaires assez méchants, assez violents. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu nous dis là sur les valeurs dans le ring, quoi. C'est ça la différence qui est assez flagrante. Après, ce qui est dommage, c'est que moi, de mon avis, en fait, il y a trop de personnes qui connaissent pas la boxe, mais qui font comme si ils la connaissaient, donc ils sont là. C'est normal. Après, c'est des spectateurs, ils veulent que leur boxeur y gagne, ce qui est normal, quoi. Mais oui, je trouve ça dommage d'insulter l'adversaire, de dire des mots comme ça, alors que c'est pas du tout la boxe. Ouais. C'est vraiment pas la boxe. Et après, sur les deux autres rounds, du coup, enfin deux reprises, comment ça s'est passé? J'ai pas tout le descriptif du combat, donc c'est intéressant d'avoir un petit peu ton ressenti. Bah, les 2 premiers rounds, j'étais assez tendu. Après, c'était parce que j'avais aussi beaucoup mes amis, ma famille qui étaient là, je connaissais beaucoup de monde. Et puis je Donc, j'étais crois qu'il y avait 2000 spectateurs, hein, c'est ça, hein, c'était quand même assez énorme. Hein. 1 500 et 2 000 Ouais. spectateurs. Donc, je pense que c'est le plus gros gala que j'ai dû faire. Enfin, je pense. Hein. En plus, en pro, encore en amateur, t'es là, tu perds. Alors qu'en pro, il faut savoir gérer ta carrière aussi. Donc, je voulais pas du tout perdre. Et j'étais un peu tendu les 2 premiers rounds. Au troisième, je me suis un peu plus détendu, j'ai été plus à l'aise, j'ai senti que j'avais gagné les 2 premiers, donc il me restait entre parenthèses plus qu'un round à gagner pour gagner le combat et pas prendre de risques derrière. Donc je me sentais plus à l'aise et je trouve que j'ai mieux boxé sur les 2 derniers rounds que sur les 2 premiers rounds. Et là, du coup, cette victoire, ça, est-ce que ça t'ouvre des nouvelles portes? C'est quoi un petit peu la suite pour toi, ton plan de carrière?
Pour le moment, on va essayer de, comme je t'ai dit, de gérer la carrière, de ne pas se précipiter, de ne pas faire n'importe quoi. Vraiment faire un truc dans ce sport-là. J'ai des rêves et j'aimerais bien les accomplir par la suite. Donc pour le moment, j'aimerais déjà, si possible, je vais faire ma demande de nationalité cet été, essayer d'ici 2 ans, 3 ans max, viser la ceinture en France, donc la ceinture. Après, par la suite, si j'ai des opportunités européennes ou mondiales, oui, par la suite. Mais pour le moment, c'est vraiment de gérer mon début de carrière, quoi. Ouais. Et justement, tu parles de gestion de carrière. Pour expliquer un petit peu aux spectateurs, tu as un agent, alors tu as un coach. Comment ça se passe un petit peu ton entourage pour ça? Moi, mon agent, c'est Serge. C'est mon coach et mon agent. C'est lui qui gère ma carrière. Donc, ça va, je suis dans de très bonnes mains. C'est pas ça le souci. C'est lui qui gère tout. Il me conseille s'il y a des adversaires qu'ils préfèrent pas prendre, donc je l'écoute, je les prends pas, parce qu'on a eu beaucoup de propositions de combat que on a refusées, parce que c'était des adversaires soit trop forts, soit trop dangereux, parce qu'ils étaient chez eux, donc même si je gagnais, on aurait pu me voler. Il y a eu des trucs comme ça. Donc je le laisse gérer ma carrière, c'est lui qui. Et après, moi, par la suite, je m'entraîne. Après, si je me sens de faire le combat, il sera pas contre, mais il me conseille beaucoup. Et je le remercie pour ça. Oui, parce qu'il y a des boxeurs qui ont tendance à trop boxer, à vouloir en faire trop, peut-être se cramer, c'est ça, sur le. En amateur, à la limite, j'ai envie de te dire, en amateur, tu peux boxer pas toutes les semaines, mais tu peux quand même boxer plus souvent qu'en pro. En professionnel, il te faut quand même, après ton combat, 1 ou 2 semaines de repos. Là, après mon combat, j'ai pris 1 semaine de repos et ça m'a fait énormément du bien. On a eu une demande pour la semaine pro. Bon, ils nous ont pas dit oui, on te veut toi, donc on aurait pu se proposer pour boxer, mais on a préférer pas se proposer et vraiment bien me reposer pour mieux attaquer par la suite, quoi. Alors que si là j'y vais, je peux sur ma blessure, je peux encore me faire plus mal. Donc j'ai préféré vraiment on a refusé ce combat, quoi. Là, vous n'avez pas de combat de prévu, c'est vous attendez là pour l'instant. Ouais, pour l'instant on attend, et je pense que les combats qui vont arriver par la suite, ça va être des gros combats, parce que c'est rare. Non, c'est pas rare, il y a quand même beaucoup de bons boxeurs en France, mais avoir 3, 4 combats, 4 victoires, 3 combats, 3 victoires, au bout d'un moment, c'est plus des débutants ou des espoirs, comme on dit, qui te demandent. C'est vraiment des gars qui sont confirmés, qui ont déjà 6, 7, 8, des fois 10, des fois 15 combats qui te demandent pour boxer contre eux, quoi. Et justement, je vois un commentaire de Serge qui dit pour un jeune de moins de 20 ans, beaucoup de maturité. La question, c'est qu'est-ce qui t'apporte toi justement, alors à part la maturité, Serge? C'est qui pour toi? Serge, c'est quelqu'un de ma famille. C'est Ouais. devenu quelqu'un de ma famille. Vraiment, je l'aime comme quelqu'un de ma famille. Moi, mon grand-père, il est mort il y a 2 ans et je le considère comme mon grand-père. Vraiment, c'est mon père, mon grand-père. Je l'aime beaucoup, Serge. On ne se montre pas ou quoi, mais vraiment, je le considère comme quelqu'un de ma famille. C'est fort le lien que j'ai avec lui. Et qu'est-ce qui a, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, il a formé de nombreux champions, hein, qui ont fait des belles carrières, ils sont expatriés. Moi, j'ai plein de boxeurs en tête de souvenirs de ce qu'il a fait avec eux. On a l'impression qu'il bonifie à peu près presque tous les combattants quoi qu'il forme. C'est dingue, c'est quoi ça, son talent, selon toi? C'est un magicien. Ouais. Je sais pas, il me dévoile pas ses tours de magie, c'est un magicien. Mais après, c'est Je suis sûr qu'il va dire c'est le travail, sa magie. Je suis sûr bah qu'il va oui, dire. je suis sûr qu'il va te dire ça. Mais tu sais, c'est comme je te disais, quand tu ouvres la porte d'une salle de boxe, le premier mot qu'on t'apprend, c'est le respect. Et quand je l'ai ouvert déjà jeune, le premier mot qu'on a appris, c'était ça. C'était le respect. Donc, par la suite, en fait, j'étais un enfant, je faisais beaucoup de conneries, j'étais vraiment, voilà, quoi. Mais la boxe, ça m'a canalisé, ça canalise beaucoup. Donc, pour ceux qui veulent Ouais. vraiment être canalisés, se calmer, la boxe, c'est le sport qu'il vous faut. Ça canalise, ça calme. Et comme je t'ai dit, ça m'a appris le respect. C'est le sport qui m'a appris le respect, en fait. C'est vraiment ce sport-là, et voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a l'impression que sans la boxe, tu aurais pu vriller. J'ai eu des amis qui ont vrillé, oui. Et après, je peux pas dire de sûr que j'aurais vrillé, mais je serais pas l'homme que je suis là en face de toi, quoi. J'aurais fait des conneries. Oui, je pense, hein, j'en suis même sûr, parce que j'étais quand même un enfant qui faisait beaucoup de bêtises, donc sûrement, oui. Bon, aujourd'hui, tu es rangé, voilà, Ah tout est oui. mis de côté. Ah, j'ai un objectif, c'est la boxe. Aujourd'hui, je vis, je mange, je dors, c'est boxe, tout boxe, quoi.
Et en termes de formation professionnelle, est-ce que tu as fait des études auparavant? Tu as peut-être une formation en parallèle? Tu te dis ça un petit peu dans la tête ou pas? Parce qu'il y a souvent ce double projet entre la carrière pro et les études. Toi, qu'est-ce que tu as en tête? Moi, j'ai fait un bac gestion administration. Je l'ai pas fini mon bac, je l'ai pas passé. Je me suis après en fait parce que je bossais déjà à côté du lycée, donc j'avais vraiment du mal à. Et l'école, ça m'a jamais, j'ai jamais eu ce déclic pour l'école comme certains ils ont. Moi, c'était vraiment la boxe, la boxe, la boxe quoi. Et après, oui, si j'y arrive pas dans la boxe, je serais obligé de trouver un autre un travail à côté. Mais vraiment, ouais, je suis vraiment box, box, box pour le moment, quoi. Et Bon, en tout cas, c'est dur de, t'as un message. Ouais. excuse-moi, hein, Non, c'est dur d'avoir un travail et être boxeur professionnel à côté. C'est vraiment compliqué parce que tu as des entraînements. Moi, je fais 2 à 3 entraînements par jour. Je cours le matin, souvent le soir, je suis à la salle, à la boxe ou à la salle de muscu. C'est vraiment compliqué. En plus de ça, de rajouter le travail, même si ça t'arrange, les horaires de travail t'arrangent, au bout d'un moment, tu es fatigué, quoi. Ton corps, il suit plus. C'est vrai. En tout cas, c'est beau de voir cette passion-là et cette envie à travers ton témoignage. Et surtout, bah, moi, ce que j'aime bien, c'est, comme disaient pas mal de spectateurs, ta maturité. Et puis surtout, la boxe, ça a donné un sens à ton développement et puis à ta vie, j'ai l'impression. C'est ça qui est beau. La boxe, oui, ça a donné un sens à ma vie parce que, comme je t'ai dit, si j'aurais pas ouvert, bah plutôt mon père m'aurait pas ramené dans cette salle de boxe. Alors d'aujourd'hui, je sais pas ce que j'aurais voulu faire. Mais bon, j'étais pas le meilleur joueur de ma génération, quoi. C'était vraiment, c'est, je sais pas, c'est mon père qui m'a dit, allez, tu vas à la boxe, je suis allé, et voilà, quoi. Maintenant, je suis le boxeur que je suis. On va voir ce que ça va donner par la suite. Eh bien justement, merci beaucoup en tout cas, Garrick. On va voir ce que ça va donner dans les semaines, dans les mois à venir. On va continuer à suivre parce que c'est vraiment très très agréable de t'avoir eu ce soir dans le média. Donc merci beaucoup, Garrick, en tout cas. Merci à toi, c'est très gentil de m'accueillir dans ton live. Bonne soirée à toi et puis Bonne tu pourras soirée. retrouver l'émission dès demain sur YouTube. Tu pourras la partager avec tous tes amis qui étaient nombreuses et nombreux ce soir. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, bonne Bonne soirée. soirée. Ouais, ciao. Alors Lucas qui dit le Mbappé de la boxe, peut-être, hein, on espère, on lui souhaite une carrière au moins financièrement, qu'il vive de la boxe autant que Mbappé vit du foot, entre guillemets. C'est quand même sympa pour le commentaire. On va accueillir notre deuxième invité ce soir, on va parler basket. On voulait faire un petit focus pour terminer cette année, cette saison. On voulait partir à la rencontre d'un joueur de basket jurassien qui évolue dans l'antichambre de la Pro, donc la Pro A et Pro B, donc la Nationale 1. Il évolue au sein du club de Vitré en Ille-et-Vilaine, en National 1. Donc du coup, c'est un échelon au-dessus, pardon, du club de Lons, hein, qui normalement aurait dû d'ailleurs monter en National 1, mais ils ont refusé financièrement, comme on le sait tous aujourd'hui. D'ailleurs, Lons qui recrute pas mal en ce moment. J'ai vu les annonces transfert presque toutes les semaines. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, lui, il évolue en National 1. Il s'appelle Tom Yen et il a un parcours déjà bien bien fourni à son âge. Donc on va l'accueillir en tout cas. N'hésitez pas à poser les questions comme d'habitude et on va l'accueillir. C'est parti. Bonsoir Tom. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors pour clôturer la saison, comme je le disais, est-ce que tu peux te présenter un petit peu avant de commencer, bah, ton âge, d'où tu viens, je ne l'ai pas dit, hein, effectivement, ton poste auquel tu évolues et puis un petit peu ton parcours basket avant Vitré. Ouais, bien sûr. Bah déjà, merci pour l'invitation. Du coup, moi, je suis né à Besançon. J'ai grandi à côté de Salins-les-Bains. C'est là-bas que j'ai commencé le basket, très tôt, à l'âge de 4-5 ans. Et ensuite, à mes 15 ans, j'ai rejoint le centre de formation de la JDA à Dijon. Comme alors, un temps de retour à Dijon, peut-être dans quelques années d'ailleurs. On verra, mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Et voilà, du coup, j'ai fait 3 ans en U18 France et puis 3 ans en espoir. Et j'ai eu la chance lors de ma dernière saison de pouvoir être à l'entraînement avec le groupe pro et de faire quelques apparitions avec une des meilleures équipes de France, du coup. Et ensuite, à la fin de ça, j'ai signé mon premier contrat vraiment professionnel à André-Dieu Boutéon. Et cette année,
jouais à Vitré, donc à côté de Rennes en Bretagne. Et Le club de Dijon, du coup, après ton passage espoir, c'est normal que, je ne sais pas, c'est une question un petit peu, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, que la plupart des espoirs ne sont pas conservés, ils vont voir un échelon plus bas. C'est quoi un petit peu le constat sur ces jeunes en France? ouais, bah, en fait, quand tu es en espoir, tu joues dans en levée de rideau des pros, tu es un peu aussi parfois appelé avec le groupe professionnel, mais ça reste un championnat de développement. Et il y a très peu d'espoirs qui arrivent à signer dans leur club de formation. Il y en a quelques-uns. Après, c'est souvent aussi que les espoirs sont signés, puis prêtés dans d'autres clubs de Pro B souvent avant de réintégrer le groupe de Pro A. Donc là, pour le coup, à Dijon, il y a Robin Ducoté avec qui je jouais, qui a réussi à faire sa place dans le groupe pro. Mais sinon, il y a très peu de joueurs qu'on signait avec la JDA. Et je pense notamment quand même à Ilias Kamardine qui a signé et puis qui joue en Pro B en ce moment. Mais non, c'est la plus grande majorité du temps. On signe ensuite des contrats dans les niveaux inférieurs, mais pas avec les clubs de formation. Alors, on n'a peut-être pas forcément dit ton âge et ton poste, du coup, auquel tu Ouais. évolues. Alors du coup, j'ai 23 ans et je joue ailier, j'essaye de me développer sur les postes d'arrière aussi un petit peu. J'ai joué pendant un Alors, qui dit moment ailier arrière? fort, mais comment? Alors, qui dit arrière dit scoreur, hein, comme on dit. Alors, apparemment, selon Aurélien, t'es meilleur au basket qu'à FIFA. Hein, donc, peut-être, heureusement pour toi d'ailleurs, j'ai envie de te dire. C'est Aurélien Rigaud. Ouais, c'est Aurélien Rigaud, c'est ça, ouais. C'était mon compagnon de chambre, André Jeboutéon, et il l'a mal vécu, je pense, le fait qu'on joue à FIFA et que bah, pour lui, c'était des moments compliqués parce qu'il perdait tout le temps. Donc, Ludovic posait la question sur la JDA quand tu étais à Dijon. Est-ce que tu parlais d'avoir fait des feuilles de match avec les pros? T'es déjà rentré du coup sur le parquet? T'as déjà fait quelques minutes en pro? Ouais, j'ai fait quelques fins de match. Pour nous récompenser du travail qu'on faisait avec les jeunes et tout ça. Et puis j'ai fait un match où on a eu beaucoup de blessés à Chalon et où j'avais joué ouais, une quinzaine de minutes, si je me souviens bien. Et ça s'était bien passé. Donc voilà, j'ai fait quelques apparitions, mais j'étais plus présent à l'entraînement que pendant les matchs. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, c'était ta deuxième saison, là, du coup, en National 1, hein, après Andrézieux l'an dernier. J'imagine qu'après une première saison d'apprentissage, entre guillemets, sur la National 1, cette année, tu voulais prendre un peu plus de volume. Et ce que j'ai pu lire, hein, avec ma copine Pauline, que je salue du progrès, ça s'est pas passé comme prévu, quoi, cette année. Ouais, c'est ça. Bah, j'avais pour objectif de confirmer ma bonne saison à Andrézieux et de continuer à monter en force. Après, l'adaptation a été assez compliquée et la saison, elle s'est pas forcément passée comme prévu. J'ai eu du mal à rentrer dedans, à faire des bonnes performances et à aider l'équipe autant que je l'aurais souhaité. Mais j'ai continué de bosser, à travailler, à progresser. Et voilà, c'est ce que je retiens. Et c'est une saison qui va me faire grandir. Et voilà, après, c'est le sport. Ça se passe pas toujours comme on l'espère. Et il faut apprendre de ça. Donc voilà, la saison, au final, elle a été très bonne collectivement. On finit quatrième du championnat. Ça m'a permis de prendre de l'expérience et puis de continuer à progresser. Donc j'en retiens que le positif. Et puis j'ai quand même réussi en fin de saison, dans les moments où on m'a donné ma chance un peu plus, à montrer que j'étais présent et que j'étais capable de faire de bonnes choses. Et les gens pourraient se poser la question, Tom, en disant, bon, bah, il a fait une première bonne saison à Andrézieux. Pourquoi t'es parti à Vitré? Alors, pourquoi t'as pas pu rester là-bas? Alors, bah, il y avait un peu un différent sur mon poste de jeu parce que j'avais fait une bonne saison à Andrézieux et le coach me voyait plus sur le poste 3-4 et moi je voulais vraiment essayer de me développer sur le poste 2-3 pour essayer d'atteindre un niveau encore supérieur dans la division si possible plus tard parce que voilà, je fais 1,94 m. Des postes 4 dans le championnat en National 1, il y en a très peu qui sont à 1,95 m. Ils sont tous plus grands. Donc voilà, je voulais vraiment essayer de me développer sur le poste 2-3. Et c'est pour ça que j'ai quitté Andrézieux. Mais j'avais vécu une belle expérience là-bas et je suis très content de retourner dans ce club-là.
Alors justement, apparemment, t'en avais un petit peu marre de faire la fête aussi à Andrézieux. Bon, là, tu vas retrouver un petit peu les fêtards là-bas. J'ai un commentaire de Romain qui dit, Le Havre se souvient de toi quand même. Alors explique-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as fait à Le Havre ou contre Le Havre? C'était quoi ce match? Ouais, bah Le Havre, il y a eu deux matchs du coup en deuxième phase en poulotte où on a eu un premier match à domicile où j'avais fait une bonne performance et on avait gagné dans les toutes dernières minutes du match. Donc c'était vraiment un très très bon souvenir. Et le match retour de la même façon, j'avais fait un très bon match et on avait gagné. Donc c'est les deux matchs qui sont pour moi des repères pour cette année en tout cas. Justement, quand on regarde un petit peu tes stats sur la saison, alors pour un scoreur, on pourrait attendre un peu plus, mais on dit 6 points et demi de moyenne en 17 minutes sur une saison où t'étais pas forcément titulaire. On se dit bon bah c'est pas trop mal quoi, ça aurait pu être pire et t'as bien terminé comme tu as dit tout à l'heure en plus, hein. Ouais, c'est ça. Après, les stats, ça veut un peu tout et rien dire. Je pense que voilà, je suis plus un joueur complet qu'un pur scoreur. Mais après, voilà, c'est niveau stats, c'est pas mauvais, mais je sens que j'aurais vraiment pu faire mieux et j'ai eu du mal à prendre le rythme en début de saison d'un point de vue purement individuel. Mais j'ai essayé de faire ce qui était nécessaire pour l'équipe et d'aider l'équipe comme je le pouvais dans la situation dans laquelle on était tous, quoi. Et Ouais. c'est comme ça, le basket, il y a forcément des joueurs qui font des moins bonnes saisons que d'autres et ça tourne souvent. Donc voilà, cette année, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais bon, voilà, j'ai quand même réussi à jouer et à faire de bonnes choses et je retiens que le positif. Alors sur la saison, tu l'expliquais tout à l'heure que vous êtes incliné en play-off en huitième de finale hein, face à Feur. L'objectif de la saison, c'était quoi? C'était de jouer le Final Four, j'en sais rien s'il y en avait en National 1, mais de jouer la montée, c'était quoi l'objectif? Bah, le premier objectif qu'on s'était fixé dans le top 5 pour jouer la poulotte et être dans les 10 meilleures équipes du championnat, toutes poules confondues, on a réussi à l'atteindre. Ensuite, on s'est redonné l'objectif d'être dans le top 5 à la fin de la saison. On a réussi aussi à finir quatrième, donc ça a été une saison très satisfaisante d'un point de vue collectif. Et ensuite, en play-off, on s'était pas tellement donné d'objectifs, mais on savait que avec la saison qu'on avait fait, le jeu qu'on avait produit, même si on n'était pas dans notre, je pense, dans notre meilleure période de l'année, parce qu'on a perdu les deux derniers matchs contre Rouen et contre Mulhouse, on avait vraiment pour objectif de franchir les étapes les unes après les autres et de voir où ça pouvait nous emmener. Et c'est vrai qu'on s'est fait bah, battre tout de suite contre Feur et ça nous a fait mal de se faire éliminer de cette façon alors qu'on espérait quand même aller bien plus loin dans les playoffs. Il me reste à peu près 5 minutes. Alors, tu disais, tu reviens à Andrézieux pour cette année. Pourquoi ce choix? Parce que peut-être que la distance, non? Parce que c'est vrai qu'on regarde Vitré et Ille-et-Vilaine par rapport à tes origines jurassiennes franc-comtoises, c'est un petit peu à l'autre bout de la France quand même, hein. Ouais, c'est vrai que j'avais envie de revenir un peu dans la région ou en tout cas de me rapprocher un petit peu quand même de Besançon, de Salins, de ces coins-là. Maintenant, j'étudiais toutes les propositions et Andrézieux, ils m'ont fait une proposition qui était intéressante parce que bah ils ont fait un parcours en play-off impressionnant cette année. C'est un club que je connais déjà, donc le choix il était évident quand ils m'ont fait la proposition et je suis très heureux de revenir dans ce club avec lequel j'ai vraiment aimé porter ses couleurs, quoi. Vitré, t'es pas trop déçu que tu partes, parce que c'est vrai qu'on reste une année, malheureusement, on se dit bon bah il s'est pas trop attaché au club ou il y a un truc qui a pas été. J'imagine que c'est un peu ce constat que vous avez fait enfin les deux parties, je pense. Oui, c'est ça. Bah, j'avais signé un an et Ouais. au final, le club souhaitait pas tellement me conserver et je pense que c'était mieux pour moi aussi de vivre une autre expérience après la saison un petit peu difficile d'un point de vue personnel. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement et bah c'était vraiment une belle saison quand même. J'ai beaucoup appris là-bas, j'ai découvert un peu la culture bretonne et ça me fait voyager aussi. Je découvre de nouvelles personnes. Je suis très content de tisser des liens avec des gens que j'apprécie et il y a des liens forts qui se sont créés là-bas que j'oublierai jamais.
Et donc voilà, je retiens beaucoup de positif de cette expérience. Et maintenant, j'ai hâte de retourner à Andrézieux pour cette nouvelle. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, donc voilà, ça te permet de te faire grandir encore un peu plus. Pour terminer sur des bonnes notes, alors c'est vrai que tu as disputé à Besançon à la fin de saison le All-Star Game Espoir en National 1. C'était ta deuxième participation. Alors c'était là cette fois-ci, c'était aussi le concours à 3 points, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'avais gagné le concours à 3 points lors de la première édition à Pont-de-Chervy. Oui. Je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Malheureusement, ça a pas été top. J'ai pas performé autant que j'aurais aimé, mais bon, c'est que du bonus, c'est que du plaisir. Et voilà, c'était vraiment un bon moment, très agréable à partager avec les jeunes du championnat. T'étais pas dans le match après, enfin le match complet, non? T'étais pas Si, sélectionné si, pour ça. aussi, ouais. Si, j'étais sélectionné pour le concours à 3 points et le match. Donc, Et c'était justement, vraiment des bonnes expériences. les suiveurs qui te voient comme ça, qui te voient disputer des matchs comme ça en National 1, catégorie espoir, mais en disant, bah, est-ce que en termes de scout, ils disent, bon, bah, tiens, ça c'est un joueur pour l'avenir, à 23 ans, il a encore quelques années, il peut peut-être encore progresser, monter plus haut. C'est ça va être flatteur pour toi de te dire que bah, tu es dans les espoirs, tu comptes un peu quoi pour l'avenir. Ouais, après c'était ma dernière saison en tant qu'espoir, parce que bon, on va dire que 23 ans, t'es quand même plus tout jeune non plus. Il y a des très jeunes dans le championnat et bien sûr que je peux encore progresser énormément et que j'ai envie de travailler pour progresser énormément et aller le plus haut possible. Mais voilà, en tout cas je suis très reconnaissant de ce qui m'arrive, que les clubs me donnent la chance de m'exprimer, et c'est vraiment un pur plaisir et un rêve entre guillemets qui se réalise, parce que voilà, maintenant je vis de ma passion et c'est vraiment excellent quoi. J'adore. La passion, elle a débuté dès le plus jeune âge à Salins. Justement, pour terminer, ton club d'origine, Salins, tu regardes encore un petit peu les résultats, tu suis encore bien le club. C'est quoi un petit peu la tâche que tu as avec le club? Ah bien sûr, ma mère elle vit encore à côté de Salins, donc j'ai vraiment une attache encore dans la région et en particulier dans cette ville. Voilà, je suis tout ce qui se passe au JSBC via les réseaux sociaux. Je suis encore vachement en contact avec bah, le coach Reg, qui était déjà mon coach à l'époque et qui est vraiment une personne qui m'a beaucoup beaucoup apporté. Et puis bah, j'ai gardé des bonnes affinités, notamment avec Mehdi Bellil, Tom Maréchal, des gars avec qui je jouais à l'époque et qui sont revenus au club cette année. Alors Donc Mehdi, il a signé à Lens, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur ouais, les je sais. Twitter. Justement, ça m'a fait rigoler. Alors, je ne veux pas te mettre dans l'embarras et bon, j'ai vu le commentaire du club de Salins et je me suis dit, il l'avait un petit peu mauvais Salins qui est voilà de se faire piquer son joueur par Lens. C'est normal. Mehdi, c'est un joueur incroyable pour de la National 3. Je pense que c'était pas tout à fait son niveau. Il mérite clairement d'aller dans les championnats bien supérieurs. Donc, je suis très content pour lui qu'il ait signé en N2, en plus à Lens, qui est juste à côté. Donc, c'est top. Et après, je pense que Salins, ils peuvent être très contents d'avoir eu Mehdi cette saison et de l'avoir eu sous les couleurs du club, parce que c'est un joueur qui est vraiment très performant. Oui, puis je pense qu'il faut aussi avoir cette fierté de formation, comme on dit, parce que Ouais. avec toi, avec lui, avec même d'autres joueurs, c'est vrai que Salins a quand même formé des sacrés bons joueurs. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir avant tout, avant cette proximité géographique entre deux clubs, pas forcément rivaux en plus, entre Salins et Lens, c'est plus Poligny, hein, si on doit faire une C'est clair. historique. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup, Tom. On va Bon, s'arrêter là. merci Merci à toi beaucoup. pour ton petit parcours. Et puis plein de bonnes choses l'an prochain avec Andrézieux Boutéon. Andrézieux Boutéon, c'est dans la Loire, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est 2h30, 3 heures de route depuis le Jura pour venir te voir ou... Ouais, 2 heures et demie environ. Et c'est voilà, à côté de Saint-Étienne, à 20 minutes même pas. Alors, je vais te faire une confidence, Tom. Je regarde en direct parce que j'habite pas très loin d'Andrézieux, de la région de Stéphanoise. On me dit 57 minutes de route pour venir voir tes matchs l'an prochain, Andrézieux. Donc, si un week-end, J'entends plus. j'ai l'occasion je suis libre et j'ai l'occasion de venir, j'essaierai de venir, en tout cas avec grand plaisir. Eh bah, ben, avec grand plaisir en tout cas, tu seras le bienvenu. Bon.
C'est gentil. Bah, merci beaucoup en tout cas, Tom. Bonne soirée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Eh ben merci à toi Tom, merci à vous tous hein, d'avoir été présentes et présentes ce soir, présents pardon. C'était la fin du coup de cette troisième saison. Alors viens au palais, dit Bruno. Ben, je vais essayer de venir. C'est vrai que je suis plus proche de la région lyonnaise que du Jura maintenant, mais j'essaie de revenir voir des matchs dans le Jura, d'essayer de revenir voir les Jurassiens. Donc voilà, fin de la saison 3, comme on le disait en introduction du live. C'est passé vite, il y a eu pas mal de changements avec. Jeudi, peut-être que l'entretien peut-être plus simple, mais en tout cas, ça a été un plaisir encore cette année de faire toutes ces émissions. Alors, même s'il y en a eu un petit peu moins que les précédentes saisons, il y a eu quelques un petit peu coupures, mais c'est toujours un plaisir de mettre en avant le sport jurassien. J'espère que vous prenez également du plaisir à suivre ces petites interviews. On va prendre quelques semaines de vacances, on va revenir tout frais, affûté aussi, hein, parce que comme je le dis, la prépa marathon va bientôt commencer dans quelques semaines. Et puis, bah, on va essayer de revenir un petit peu, bah, toujours pareil, hein, en mettant en avant ces sportifs, les actus, et puis essayer de vous faire découvrir des nouvelles disciplines, des nouveaux talents, comme on aime le faire. Et peut-être qu'un jour, on aura les sportifs de haut niveau. Alors, si je dis haut niveau, c'est les Fillon Maillet, choses comme ça, qui sont aujourd'hui un peu plus bridés, entre guillemets, on va dire, hein, sur la presse. On va essayer quand même de les avoir un jour. Hein, faut pas perdre espoir, entre guillemets. Mais en tout cas, merci à vous pour les petits commentaires, les petits messages, Ludovic notamment aussi, hein, qui est souvent présent sur les lives, c'est vraiment sympa. Et puis, bah, je vous souhaite en tout cas des bonnes vacances, profitez bien, profitez de la famille, et puis, bah, comme toujours d'ailleurs, j'ai envie de le dire, bougez, sortez, hein, comme d'habitude, et puis, bah, prenez du plaisir à faire du sport, et puis, bah, en tout cas, bonne soirée, et puis à très vite, et puis, bah, on retrouve, hein, dès demain ce live sur YouTube et sur Instagram. Allez, bonne soirée, ciao.